Bismillah, salam alaikum. Bonjour à tous les amis. Comment allez-vous? Vous allez bien? Tranquille, ça va bien. Elle est pas belle la vie? Ben si, si, si. Donc soyez les bienvenus sur ma chaîne. Cliquez sur le bouton s'abonner. N'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir mes nouvelles vidéos, de liker, de partager. Donc soyez les bienvenus. Donc aujourd'hui, on va faire les churros. Donc les ingrédients se sont affichés en début de vidéo. Au besoin, on mettra dans le descriptif, donc c'est parti. Donc, dans une petite marmite ou une casserole qui ne colle pas, on va mettre l'eau, le beurre, l'arôme café, et puis on va faire fondre tout ça ensemble. Et dans un bol, on va mélanger la farine et la levure et le sel, il me semble, je sais plus. Et une fois que tout a fondu, on va rajouter la farine et on commence à mélanger le tout. Bien sûr, à feu moyen, hein, comme ça vous arrivez à suivre. Alors, une fois qu'on a tout bien mélangé, on continue hors du feu à mélanger, à travailler la pâte. Et on laisse redescendre un petit peu la température avant d'ajouter les 2 œufs. Voilà. À savoir qu'après on va travailler avec vite fait avec la main, donc c'est pour ça qu'il faut laisser vous la travailler tout en laissant descendre un petit peu la température. Et puis voilà, donc là c'est bon. Là je vais continuer avec la main, donc hop. Voilà, on entend. Ça brûle un petit peu, mais voilà, c'est pas au point de souffrir. Hein, donc, voilà. Donc ensuite, je vais là travailler un petit peu vite fait, juste 1 minute sur le plan de travail, puis me faire un petit délire vite fait. Voilà, donc voilà. Voilà, juste 1 minute, et puis. La pâte, franchement, elle est bien tendre, elle est malléable. Donc voilà. Voilà, c'est le petit délire, je vous ai dit. Faites pas attention. Enfin bref. Donc voilà, elle nous a fait sa petite crise. C'est bon, c'est fait. Donc voilà. On a laissé quelques minutes. Voilà, quelques minutes de temps de préparer l'huile, le plan de travail. Je veux dire, tout ce qu'il y a. Le matériel pour la friture, et puis voilà, on aura besoin d'une douille pour pouvoir faire les petites torsades ou faire les formes que vous voulez. Vous pouvez utiliser autre chose, hein. Donc moi j'ai utilisé voilà, voilà la petite douille de la forme des churros de préférence, hein. Et puis après j'ai fait des petites formes, j'ai fait genre des bouclettes comme ça, genre des boucles d'oreilles ou voilà, on peut vraiment même faire participer les enfants. Vous voyez, on dirait que ça ressemble aux torsades de spaghetti, les pâtes torsadées. Donc voilà, j'ai fait toutes ces sortes-là. Donc voilà, à savoir qu'il faut pas trop mettre de farine parce que sinon après vous n'arriverez pas à les faire sortir dans la poche à douille. Donc respectez bien les quantités, et puis voilà. Donc c'est parti pour la friture, il n'y a même pas besoin de laisser reposer parce que la pâte est juste bien, elle tient bien, je veux dire elle n'est pas ramollie, ni trop dure, donc juste ce qu'il faut. Et puis à feu moyen, on chauffe l'huile et puis on les met à cuire, et puis voilà, le tour est joué, donc voilà. Allez, vous dites, je prépare le café tout de suite, ou un petit thé, ou voilà, et puis... on se fait un petit casse-croûte ou un petit déj, pourquoi pas. Donc voilà. Voilà. Et bien sûr, une fois qu'ils sont cuits, après ben, on les trempe dans le sucre, ne pas en abuser parce que de toute façon ils sont pas trop sucrés. Moi je fais vraiment attention au sucre dans mes recettes, donc vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème. Donc voilà, et ben ça donne un résultat comme ça, et puis vous voyez, voilà. Je vous dis à très bientôt, n'oubliez pas de liker, de partager. Merci beaucoup pour vous, à très bientôt. Salut.